Il aurait pu rester faire un tour avec nous. Au fond, c'est pas tous les jours qu'on vient à Hong Kong. Je suis inquiète, c'était pas une bonne idée de le laisser seul. Si jamais il lui arrivait quelque chose, je crois que j'aurais des remords toute ma vie. Relax, c'est pas une lumière, d'accord, mais c'est pas non plus l'idiot du village. Il va pas tarder, je suis sûr qu'il est en train de faire du lèche-vitrine. Ça sert à rien de t'inquiéter. Pas la peine de jouer au dur. Je vois bien que tu as la trouille, toi aussi, sans doute encore plus que moi. Moi, j'ai la trouille? C'est absurde, tu dis n'importe quoi. Tu en es sûr? Parfois, on dirait que vous êtes frères. Vous réagissez de la même façon. Quoi? Ne bouge pas. Efface de ton esprit chaque souvenir. Fais-en un désert sans fin. Laisse la force circuler librement, respire profondément et concentre ta volonté sur les muscles abdominaux jusqu'à ce que tu sentes ton énergie vitale descendre dans ta poitrine et se concentrer au milieu de ton estomac. C'est la position Santaito. Oui, vraiment génial, il n'y a pas plus confortable que ça. Arrête de geindre, tu dois rester comme ça plus d'une demi-heure. Quoi? Une demi-heure? Passons à une position plus facile à tenir. Ah, ces jeunes, tous des paresseux. Oh? Cette fois, fléchis légèrement les genoux. Et avec les bras, forme un cercle dans l'espace. Allez, allez, essaie de te concentrer. On appelle cette technique esprit de la nature. Quand tu pourras contrôler ton aura, alors tu seras en mesure peut-être de faire ceci. Comment avez-vous fait? C'est de la magie! Ce n'est pas de la magie. Le Kiko, c'est la médecine du corps, jeune naïf. Il ressemble...